Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien, pour une nouvelle semaine, nous sommes lundi 10 juin 2024. Comment allez-vous? Bien, j'espère. Et j'espère que vous avez passé un très joli week-end. Eh bien, pour cette semaine, j'ai pris l'oracle des portes de l'intuition. Magnifique l'oracle. Il y avait longtemps que je ne l'avais plus pris. Ce sont tous des oracles qui nous permettent de mettre en lumière, eh bien, les problématiques que nous vivons dans notre vie quotidienne, les mettre en lumière, voir un petit peu ce qu'il y a à faire et puis voilà, ça nous permet d'avancer dans ce beau cheminement qui est le cheminement de la spiritualité. Et encore une fois, la spiritualité ne veut pas dire avoir une religion telle que la chrétienté, le bouddhisme, juif, etc., etc. Pour moi, la spiritualité, je le répète, c'est être, devenir meilleur de ce qu'on est. Ça, c'est la spiritualité pour moi. Transcender, ben, tout ce qui ne va pas, mettre en lumière tout ce qui est obscur. Voilà, pour moi, c'est ça la spiritualité. Donc, je reviens, les portes de l'intuition, et on terminera avec le petit message des énergies de guérison. Mais avant toute chose, n'est-ce pas? Petite philosophie du matin. Et ce matin, c'est maîtriser ses propos. Dans un conflit, une altercation, ne pas prononcer de mots qui dépassent sa pensée. Ils sont les plus difficiles à oublier et à pardonner. C'est vrai que quelquefois, les paroles dépassent nos pensées et les paroles peuvent blesser au plus profond de soi. Voilà, maîtriser ses propos. Aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé l'amour. Ah, l'amour, c'est, voilà, avec l'amour, on peut tout obtenir, n'est-ce pas? Aimer de tout cœur. Aimer de tout cœur. Et oui, l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Aimer de tout cœur, c'est ce que vous entreprenez car vous saurez sortir facilement de l'ombre et attirer à vous le meilleur. Et reconnaissez aussi, n'est-ce pas, toutes les personnes formidables qui vous entourent. Votre état d'esprit, tout comme votre manière d'être, influe sur le résultat de tous vos projets. Et l'amour est la vertu la plus agissante et la plus féconde. Il facilite le passage naturel à travers les obstacles, les souffrances et tout ce qui est contraire à ce que vous voulez. Faites les choses avec amour. Croyez-moi, lorsqu'on fait ces choses avec amour, on est dans un esprit positif et on sent vraiment du bien-être. Et en même temps, ben, ça rassemble bien les énergies créatrices et ça vous recentre sur ce que vous êtes prêt à recevoir dans la vie. Et c'est ainsi, eh bien, que votre intention a tendance à se produire car elle est attirée magnétiquement par l'énergie d'amour.
L'amour, cette qualité fabuleuse, eh bien, elle se cultive au quotidien. Elle se cultive journalièrement. Et lorsque on n'aime pas, c'est difficile d'avancer. Alors, je vais vous inviter à passer à l'action. Et pourquoi pas cette matinée ou cet après-midi, faites les choses en étant conscient de ressentir de l'amour. Soyez vraiment présent à ce que vous faites et à l'énergie que vous y mettez. Et voyez ensuite, eh bien, les résultats que vous obtenez grâce à cette attitude que vous avez eue. Maintenant, pour développer votre intuition, eh bien, l'amour est une fréquence propice à l'expression de l'intuition. Alors, oui, osez lui demander de l'aide et écoutez. Écoutez ce que votre petit cœur vous dicte. Ayez conscience qu'au fond de vous, n'est-ce pas, vous savez, bien sûr, vous savez ce qui est juste et bon pour vous. Quel beau message, n'est-ce pas? Ça nous permet de mettre peut-être le doigt sur des choses qu'on ne pense pas. Waouh! Allez, je termine avec l'énergie de la guérison et aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé santé. Santé, je suis un être de lumière, donc je suis santé. La maladie est un message voulant me faire prendre conscience qu'il y a du négatif à transformer en moi. Et je demande à avoir la compréhension nécessaire me permettant de corriger mes pensées et mes actions. J'accueille l'énergie divine en mon corps et chacune de mes cellules se régénère. Oui, je le dis souvent, n'est-ce pas? Notre santé mentale, notre santé, pardon, physique dépend de notre santé mentale et tous nos organes sont impacté par une problématique de ce qu'on pense, de ce qu'on fait. Donc, évidemment que la maladie est un message, n'est-ce pas? Et qui nous dit qu'il faut vraiment travailler sur certains points pour avoir la santé, changer la façon de voir les choses, ne pas être dans le négatif, dans la critique, et ne pas être dans le paraître aussi. Tout ça, ça fait partie d'un travail sur soi. Lorsque je dis, bon, que tous ces oracles que j'emploie, c'est vraiment pour faire un beau, beau, beau travail sur soi. Pour devenir, eh bien, une meilleure version de ce qu'on est, n'est-ce pas? Je vous souhaite une excellente journée et puis on se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. Je vous embrasse. À demain.